Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, c'est vendredi et le vendredi, c'est les pronos de la Ligue Osiris pour la dernière fois pour cette saison 8. Mais on va aussi parler de cette nouvelle mise à jour, une mise à jour totalement éclataxe. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, tout est sur le Discord. Et même, comme vous allez le voir, ça en parle dans cette mise à jour, hein, les futurs pronostics et ajustements de la grande finale de la Ligue Osiris, hein. Elle va arriver très rapidement. Donc soyez sur le Discord pour être sûr de ne rater aucun pari, aucun prono. Et évidemment, les vendredis à 18h, dès qu'il y aura la grande finale, évidemment, il y aura une vidéo sur les pronos pour se blinder et plier ce store. On commence donc par les pronos et on va enchaîner sur la mage après. Les pronos, ça va être relativement simple. Regardons les cotes, regardons ce que ça dit. Tac, 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 les pronos, si j'arrive à les retrouver. Voilà, on est sur... Alors, ils sont le talon. On est refait, on a plié le store. Hein. On est évidemment sur les mises de la Ligue. Hein. Et on va aller voir le seul domaine où il reste un match. Regardez, il reste rien en Bastet, il reste rien en Horus, il reste rien en Sobek. On est en Anubis. Normalement, si vous avez suivi tous mes pronos, le store est parfaitement vide. Pas d'excuses, on a tout plié. On a perdu, hein. Le dernier tour, on a fait des paris osés. Malheureusement, on a perdu 3000. Il nous reste donc que 3600. Comment bien les parier? On les voit, la cote, on est à peu près à 1 sur 3. Alors, en début de semaine, elle était à 1 sur 6. C'était mieux. Est-ce que on confirme en pariant sur les 60 GT? Est-ce que on fait les oufs en pariant sur le 489? Le 489 a gagné de 7000 points le premier match. Les 60 GT ont gagné de 7000 points le deuxième match. Quand on a regardé le premier match, quand j'ai regardé le premier match, hein, parce que oui, j'ai regardé les matchs quand même, hein, pour faire des bons pronos. Quand j'ai regardé le premier match, je me suis dit, les 489 étaient strong, ils étaient forts, il n'y avait pas de sujet. Ils risquaient de gagner le second match. Quand j'ai regardé le second match avec les 60 GT, je me suis fait la même raison à l'inverse, la même réplique à l'inverse. Hein. 60 GT, ils dominent tout, ils dominent l'occupation, ils dominent le terrain, ils dominent l'arc. Difficile pour les 489. Il existe une très grosse probabilité que le 489 gagne. Peut-être qu'ils ont fait exprès pour augmenter la confiance de l'adversaire de perdre ce second match. Et ça pourrait être possible. Hein. C'est une stratégie qui existe. Donc, sans surprise, on va parier en contre-cote contre les 60 GT. Si nos amis, hop, on y retourne, nos amis des 489 gagnaient. On n'est pas en Bastet, on en a du bis. On arriverait, et on remet tout. Hein. On arriverait à faire là un petit x2,5. On récupérera un peu plus de 10 000 auric. Or, c'est pas une dinguerie, mais on s'en fout. Le store est vide. Donc, c'est le seul pari viable. Hein. Parier en contre-code contre les 60 GT. Il existe une vraie probabilité. Regardez, ils ont tous deux l'étendard de la victoire. Et ils veulent tous deux gagner cette saison 8. Ils en ont besoin. Même si aujourd'hui, en KVK, ils sont alliés. Les deux ont besoin de cette victoire. Ça pourrait être stratégique si l'un des. Si les deux, hein, s'ils perdaient face au 10-93, celui qui aurait gagné la ligue, eh bien, ça serait plus facile pour lui de ne pas avoir beaucoup de départs de joueurs. Côté soins de GT, ce serait de l'arrêt de jeu. Hein, côté 489, ce serait probablement de l'émigration ailleurs. Voilà pour les pronos. Très simple cette semaine. Avant la grande ligue, et on va parler à présent de ce mail de mise à jour, hein, qui est tombé. Mise à jour 1.0.83 qui s'appelle Cité Éternelle. Je pense qu'on va arriver à la 1.1 très rapidement avec la mise à jour du moteur graphique pour tous des environnements et pas seulement le KVK. Pourquoi je vous dis ça? Pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo, évidemment, il y a un hymne héroïque pionnier remasterisé et lui, il a les nouveaux graphismes.
D'ailleurs, je suis étonné, je me demande comment ils font pour lancer ce mise à jour in Heroic sans l'appliquer partout en termes de moteur graphique et sans faire que quand on est sur notre royaume principal, on ne récupère pas ce moteur graphique. C'est étonnant, il doit avoir deux moteurs graphiques cachés dans l'application pour justement choisir le bon en termes de rendu. Bref, ceci étant, venons-en à cette mise à jour qui aura lieu le 27-06. C'est un jeudi. C'est plutôt rare les mises à jour le jeudi. Normalement, les mises à jour, c'est le mardi, voire le mercredi, extrêmement rarement le jeudi. Le lundi comme le jeudi, on a vraiment très très rarement des mises à jour sur ROC. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur cette mise à jour ? Point numéro 1, découvrez le deuxième chapitre du projet de collaboration avec ROM. Franchement, on s'en fout de ouf. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est éclaté, que ça sert pas à grand-chose. Je suis sûr que certains d'entre vous sont en kiff intégral devant cet event. Moi, je trouve que ça sert à rien. Oui, pour les développeurs qui sont à fond, et les goûts notamment, qui sont à fond dans l'histoire, ils doivent kiffer, mais je pense que pour les joueurs, l'intérêt est très faible. J'aimerais connaître le taux de participation, à mon avis, il est quand même bien éclaté. Deuxième point, en même temps que la deuxième chapitre de projet blablabla, bienvenue dans la ville, ouais, super, Rome éternelle. Vacances romaines, 7 jours de quête, on fait des quêtes, on récupère des items, on les échange dans un store. Vous pourrez au mieux avoir 2 ou 3 sculptures en or, si vous voulez les 30 sculptures en or, donc les 26 ou les 27 ou les 28 qui vont vous manquer, vous allez devoir acheter des bundles. Je vous ai fait un résumé énorme de vacances romaines, de Vir Triumphalis et de Saturnal. Magnifique, magnifique. En 5 secondes, on fait un résumé de 3 events. On sait très bien comment ça va se passer. Donc, vous donnez de la moula, vous avez des sculptures, vous donnez rien, vous en avez que 3. Super. Point 4, entraînement aux armes. Ouais, j'aime pas cette période-là. Je préfère quand on a la deuxième file qu'on débloque pour 7000 gemmes et qu'on récupère 7000 gemmes gratuitement plus 35 sculptures. Entraînement aux armes, Loar. Est-ce qu'il va avoir des nouvelles compétences? Ils le disent pas. Ça paraît intéressant hein, parce que là on commence à être rodé. Mais je vous en ferai une vidéo quand même puisqu'on a des nouveaux binômes qu'on peut tester. Point 5, choc des... Et puis c'est des récompenses gratuites donc on les prend. Choc des tempêtes. Choc des tempêtes, c'est sympa pour ceux qui aiment bien. C'est distrayant. Point 6, à la recherche de merveilles. On découvre l'attirail puissant pour avancer vers la gloire. Découvrez surtout comment les baleines avec leurs attirails vont vous défoncer la tête. Surtout ça. Consulter le calendrier. Ok. Point 3, information sur les matchs du tombeau. Vous allez voir, il y a des carottes qui sont tellement magnifiques dans cette mise à jour que j'ai eu envie de prendre ma souris et de l'acheter dans l'écran. Ouais, je suis sur PC, c'est pour ça. Évidemment, je joue aussi sur iPhone, hein, mais là, pour les vidéos, je suis sur PC. Les sables balayés par le vent résonnent. Hein, c'est sur le nouveau tombeau d'Osiris, des améliorations. Hein. Une fois de plus, des bruits de bataille. Grande finale de Lego Osiris, c'est super, c'est ce que je vous ai dit. Ils nous annoncent donc pour cette grande finale, décalage, les informations concernant les matchs arriveront avec 5 minutes d'écart. On le sait maintenant, c'est pour éviter la triche. Ça aurait dû le faire depuis longtemps, c'est plutôt bien. Équipement et attirail. Alors, c'est plutôt bien, mais ils devraient tout de même optimiser. Hein. Ils devraient pouvoir descendre à 2 minutes, ça serait quand même utile, mais ça leur demanderait plus de travail pour le coup, plus de supervision. Équipement et attirail, au début de la grande finale des Gosiris, tous les participants recevront de l'équipement et de l'attirail à utiliser. Bon, ok, c'est cool, hein, ils dotent tout le monde de la même manière, c'était prévu comme ça, on le sait, la grande finale, c'est vraiment équilibré, on est sur de l'ISO, c'est le plus stratège qui gagne. Ajout de la fonction historique des tournois, bon, on peut voir l'historique pour aider à faire des pronos, ça c'est bien, ça fait qu'on va pouvoir peut-être se blinder rapidement ou pas, parce qu'en général, c'est quand même plutôt équilibré. Il faut vraiment jouer de chance pour gagner sur cette grande finale ou avoir vraiment, vraiment un bon flair pour trouver ce qu'on va pouvoir faire. Alors, les saisons précédentes, on a toujours vidé tous les stores, hein, donc j'ai confiance, hein, on va bien voir. Je crois même que celui-là, même sans faire aucun prono, juste en ramassant les grands auriques, on doit pouvoir vider le store. Saison de conquête, bientôt un nouvel event de pionnier de l'histoire, vent du changement de saison de conquête. Magnifique. Alors attendez, quand même, là au niveau des KVK, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 KVK. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la lutte des 8 hein, revenir ou conquête du désert. Hein. Ceux-là, on ne les voit plus. On est à 10 KVK différents. Dans les 10, il y a évidemment In Heroic en 2 puisqu'il y a pionnier et non pionnier.
10KVK, les amis, regardez celui-là. C'est quand même une dinguerie. Et les mecs nous en ajoutent un 11e. Combien de fois j'ai dit que c'était éclaté? Combien de fois je vous ai dit qu'il fallait arrêter de sortir des nouveaux KVK et plutôt optimiser ce qui était en place, patcher ce qu'il y avait à patcher plutôt que sortir ça? Donc on a cette nouvelle histoire, on va retomber dessus. Vente changement. Et avec un système, encore une fois, il rajoute encore de la complexité à plein de choses. Un nouveau système, retouche de commandant. Retoucher un commandant lui permet de mener des troupes d'escarmouche et d'artillerie et d'apprendre une nouvelle compétence d'active, active expertise. Qu'est-ce que c'est que les troupes d'escarmouche et d'artillerie? Ouah, trop dur à dire celui-là. Évidemment, c'est des troupes à distance, sans surprise, on le sait. Lilith favorise les méga baleines avec ce système de troupes à distance. Unité de siège, ils le disent direct, hein. Ces nouvelles unités vont redéfinir la façon dont vous appréhendez le combat à distance. Si un commandant retouché est le commandant principal d'une troupe, toutes les unités de cette troupe seront automatiquement converties en engins évolutifs. Les engins évolutifs ont les mêmes attributs de base que les unités de siège, mais seulement la moitié de la charge. Ils ne contrent pas et ne sont contrés par aucun type d'unité. Franchement, j'en peux plus là. Il rajoute. Ça devient n'importe quoi. Point 3, conversion des bonus. Si vous n'avez pas compris le point 2, c'est simple. Hein. Quand vous allez pouvoir retoucher un commandant, forcément, ça ne sera pas gratuit. Une fois le commandant retouché, il a une nouvelle compétence liée aux unités à distance. Hein, et vous n'allez pas avoir à créer des nouvelles unités. C'est les unités de siège qui seront converties automatiquement en engins évolutifs, donc en ces nouvelles unités qui tirent à distance. Hein, dès que vous la mettez sur un commandant qui a été retouché. Pas de nouveaux bâtiments pour créer des troupes, hein, pour le moment. Point 3, conversion des bonus. Si un commandant retouché, donc retouché au point 1, est un commandant principal d'une troupe sur la carte, certains bonus liés à l'équipement, au talent, aux formations, je vais vous la faire courte. Si vous avez un commandant qui est infanterie, comme ils prennent dans l'exemple, et que vous le retouchez, eh bien tous les bonus d'infanterie, sans exception, l'intégralité des bonus, seront appliqués en bonus pour les engins évolutifs. Y compris les bonus de corps à corps qui deviendront des bonus à distance. Ça va faire extrêmement mal avec les smite damage sur les dommages normaux. À mon avis, ça va brûler de ouf. Vous prenez Gorgo, Liuche, vous les retouchez, vous les mettez en commandant à distance avec des engins évolutifs. Ça va faire très très mal. Encore quelque chose pour les baleines. Point 4, troupes d'escarmouche. Donc on a les engins évolutifs, et donc on en a deux. On a les troupes d'escarmouche et les troupes d'artillerie. Celui-là, j'arriverai pas. Nouveau type de troupe qui peut effectuer des attaques à longue portée sans passer en mode attaque à distance, c'est intéressant à savoir, mais qui subit une plus grande quantité de dégâts. Évidemment, ils sont tout weak. Inflige des dégâts bonus quand il n'y a pas de troupe d'un gouverneur ennemi dans un certain rayon. Autant vous dire qu'il faut vous servir du décor et des montagnes. Seuls les commandants retouchés ou ceux qui ont le talent ingénierie peuvent utiliser leurs compétences actives quand ils mènent des troupes d'escarmouche. Troupe d'artillerie, nouveau type de troupe qui peut effectuer des attaques à longue portée, infligeant beaucoup de dégâts. Leur portée est bien plus importante que celle des troupes à distance traditionnelles, mais leur angle de tir est limité, comme des arbalètes en fait, des grosses balistes. Seuls les commandants retouchés ou ceux qui ont un talent d'ingénierie peuvent utiliser leurs compétences actives quand ils mènent des troupes d'artillerie. La question que je me pose là, c'est est-ce que on a deux nouveaux types de troupes qu'il faut créer, ou est-ce que c'est les troupes de siège qu'on peut transformer en engin évolutif? Et une fois que c'est en engin évolutif, je pense que c'est le cas, hein, c'est ça, on a le choix entre faire des troupes d'escarmouche ou des troupes d'artillerie. Je pense que c'est ça, hein, même c'est la conclusion que j'en fais en me posant moi-même la question. Là, sur le papier, les deux sont pas mal. Les deux tirent à distance. Après, ça dépend de quelle distance on veut et quel type de dégâts on veut faire. L'artillerie, ça va faire bien plus mal, mais le rayon est plus faible. Les escarmouches, ça fera moins mal, mais plus grand rayon et plus de mobilité, évidemment. Pièce de retouche. C'était pas gratuit, les amis, hein, faut pas rêver. Vous devrez dépenser des pièces de retouche chaque fois que vous retouchez un commandant. Vous les obtiendrez automatiquement des pièces de retouche chaque heure, et vous pourrez aussi en obtenir en terminant des quêtes de bastion. Point 7, les tours de flèches d'alliance. On peut transformer une tour de flèche standard de drapeau en tour de flèche d'alliance. Bon, ok, c'est super, en nous précisant que ça fait que diminuer la garnison. Ça fait pas de dégâts, hein, sur les villes, sur les troupes dans les villes.
Au final, ce nouveau système de KVK a été inventé pour les baleines. 11e système de KVK. 11e, Lilith, est-ce qu'on a vraiment besoin de 11 systèmes de KVK? Je ne pense pas. La question, elle est vite répondue, les amis. Est-ce que ça a été fait pour les free players, les mid-spenders ou les baleines? Évidemment pour les baleines. Regardez-moi ce système totalement éclaté. Ce qui est drôle, c'est que les baleines ne vont pas sur ce genre de KVK en plus. Hein, c'est vraiment n'importe quoi. Lilith est en train de se perdre à en faire un jeu beaucoup trop compliqué. La guerre, c'est deux bonhommes qui veulent se taper sur la gueule. C'est très simple. Hein, et là, ils sont en train de nous rajouter n'importe quoi. C'est des surcouches. Comme dirait mon fils, c'est, tu vois, toujours plus. Toujours plus. On va plus haut, plus loin. Et on fait de plus en plus n'importe quoi. Point 5, nouvelles fonctions et nouveaux événements. Découvrez la toute nouvelle plateforme paysage urbain depuis l'éditeur de la ville. Ça, c'est cool. On peut sauvegarder, exporter, importer des villes. Ça, c'est très cool. Participez à l'événement Attirail. Là, cet événement, c'est un événement pour les baleines, hein, avec l'achat de tickets d'attirail. Hein. C'est pas pour vous, c'est pour ceux qui ont beaucoup trop d'argent à dépenser dans le jeu. Rendez-vous sur la place du recrutement. La première bonne chose de cette mise à jour, les royaumes en saison de conquête peuvent publier des annonces de recrutement sur la place, consulter les annonces et les filtrer. Un peu comme une marketplace du recrutement, tu vois, le France Travail, l'APEC de Rock. Hein. On peut aller là-dessus sur leur nouveau système de Pôle emploi, sauf que c'est pour recrutement. Point 6, ouais, c'est Pôle emploi, ça existe plus, c'est France Travail maintenant. Point 6, amélioration du musée Histoire de son de conquête. Il rajoute des artefacts Guan Yu et Leonidas. Très bien. Nouveau niveau d'amélioration pour Tomtosis 3, le Cid. Bon, là, c'est pas très utile, mais YSG ultra utile. Franchement, on prend, ça va être très bien. Correction d'un bug, on s'en fout. Mise à jour des donjons barbares, changements sont effectifs à le 2 juillet, c'est tard, à minuit. Ajout d'une nouvelle difficulté de donjon, c'est très bien. Ajout d'os, ajout de centre de ressources, c'est super. Point 4. Ils ont remasterisé l'histoire Himneroïque, ce qu'on a vu, je vous ai montré. C'est parti des 11 histoires, désormais toute nouvelle carte, super. Nous avons conservé les mêmes éléments, super. Bon, il dit c'est plus immersif, je demande à voir. Hein. Mise à jour des règles de la grande ziggourate sur les citadelles, rien de ouf. Optimisation de l'immigration, attention, attention. Warning, breaking news, la grosse carotte est ici. Regardez celle-là, comme elle est magnifique. L'immigration intersaison requiert désormais un dépôt de 20 000 gemmes, 20 000 gemmes, ce qui veut dire que si vous voulez immigrer intersaison, non seulement il vous faudra des passeports, mais aussi des gemmes. Alors, vous allez le voir, on pourrait ne pas voir la carotte tout de suite, regardez. Une fois qu'on a obtenu le droit d'immigrer dans un royaume, un dépôt de 20 000 gemmes est déduit de votre compte. Si vous n'obtenez pas le droit d'immigrer, vous n'aurez pas à payer de dépôt, ok. Donc, on ne paye pas de dépôt si l'immigration est refusée. C'est super. Une fois qu'on a fini d'immigrer dans le royaume, notre dépôt nous est remboursé. Donc, au final, on perd pas de gemmes. Si notre droit à l'immigration expire et qu'on n'a toujours pas immigré dans le royaume, notre dépôt est perdu. Donc là, on se fait carotte. Donc, à la lecture de ça, on se dit quoi? On se dit, bon, au final, c'est pas mal. Ils demandent de sécuriser ceux qui veulent venir en demandant 20 000 gemmes. Ça évite que certains utilisent des slots sur les 500 slots d'immigration par exemple. Hein, et qu'au final ils ne viennent pas alors que quelqu'un voulait venir. Mais la carotte elle est pas là. C'est pas pour les joueurs qui le font, soyez-en assurés. C'est pour eux. Leur objectif en termes de marketing, il est très simple. C'est faire en sorte que tous ceux qui veulent immigrer, non seulement dépensent pour avoir des passeports et non plus les achètent dans le store d'Alliance, hein, parce que le store d'Alliance, quand vous l'achetez, vous n'avez pas de gemmes. En revanche, quand vous achetez les bundles de passeports, vous avez des gemmes avec. Leur but est de faire que vous achetiez des bundles de passeports pour avoir des gemmes ou des gemmes. Il est uniquement là le but. Ils ont dû se rendre compte qu'avec le système de passeports dans le store d'Alliance, hein, beaucoup arrivaient à s'organiser pour, et la majorité, pour ne pas payer les passeports, même à très grande quantité. Du coup, ils ont décidé de bypasser ça en obligeant à posséder 20 000 gemmes en plus qu'on vous restitue. Hein, mais ça vous oblige quand même à les posséder. Comme ça, vous allez devoir, quoi qu'il arrive, si vous ne les avez pas, passer par la case achat. Parce que les gemmes, on n'a pas le choix. On peut les farmer, mais c'est infaisable, 20 000 gemmes. Hein, ça va vous prendre beaucoup trop longtemps et l'immigration, ça a terminé. On vous oblige à dépenser votre argent, encore une fois, il est là le but, la méga carotte est là. Point 2, si on active la vérification, il faut mettre son mot de passe. Point 3, les gouverneurs avec moins de 10 millions de points de puissance ne sont plus éligibles à l'immigration intersaison, la grosse carotte.
Donc on a moins de 10 millions, on ne peut plus migrer en intersaison. Point 4, abaissement de la limite de puissance pour l'immigration intersaison de 100 millions à 85 millions. Maintenant, si vous avez plus de 85 millions, vous ne pourrez plus migrer sans utiliser le ticket spécial. Vous ne ferez plus partie de la liste. Franchement, c'est une méga carotte cette mise à jour. Autre amélioration de à jour et mise à jour des événements. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus dans tous ces points-là. D'habitude, les carottes se glissent là, hein, excepté un nouveau équipement d'attirail, de fragments de plan aléatoire d'ingénierie dans le store VIP quand on rentre sur la saison de conquête, hein, dans la saison de conquête tout simplement. Il n'y a rien de ouf dans cette nouvelle, dans ces autres points. Mais là, le point de l'immigration, c'est vraiment une méga carotte. Franchement, c'est l'une des pires mises à jour, hein, qu'on ait eues. Hein. Elle fait partie du top 5 des pires mises à jour et des plus grosses carottes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu scandaleux, même carrément scandaleux de faire ça aux joueurs. Encore une fois, cette mise à jour favorise très grandement les baleines et pénalise très fortement au portefeuille l'intégralité des joueurs, les baleines comme les tout petits joueurs et encore plus les free players. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.